Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Bonjour Florian Lorimier, vous êtes le préparateur physique de Didier Cuche, vous êtes un ami de Didier, alors on va parler avec lui de l'échéance qu'il attend ce soir. Hein. On est tous un peu comme ça, ouais. Je n'ose pas imaginer dans quel état vous êtes. Bonjour Steve, avec vous on va parler hockey parce que là aussi une échéance importante aura lieu ce soir. Ce soir à 18h30 pour la première manche, 22h pour la seconde. Une fois encore, la Suisse tout entière retiendra son souffle au moment où Cuche, Janka et compagnie s'élanceront pour le géant. En revanche, malheureusement, pas de départ pour Didier Desfagos. Il s'est bloqué le dos à l'entraînement, il va revenir en Suisse, il est remplacé par Villetta. Alors Florian Lorimier, vous connaissez bien Didier Cuche, hein. On l'a dit, vous êtes son préparateur physique, son confident aussi. Vous lui parlez beaucoup pendant ces Jeux ? Alors on a des contacts, on ne va pas dire journaliers, mais ces derniers jours, on a eu pas mal de contacts durant la nuit. Et puis ouais, je sens bien, ouais. Ouais. Alors on ne trahit jamais les discussions qu'on a avec un ami, je ne veux pas vous demander de trahir ça, mais vous le sentez comment ? Très déçu ? Ou alors au fond philosophe, parce que tout cela se joue à quelques centièmes de seconde et qu'il n'a pas fait de réelle contre-performance. Bon, il y a un peu les deux. C'est clair que, vu que c'est les Jeux Olympiques, c'est la médaille qui compte, c'est le résultat qui compte. Sportivement, c'est clair que sa course, elle est belle, hein, elle est parfaite. On voit les images de la descente, là. Il ne manque pas grand-chose. Hein. Il a parlé d'une petite surpression en bas, mais bon, ça peut aussi se jouer à quelques dosages près. Je pense qu'il aurait peut-être eu aussi un autre résultat. Donc, il a fait la part des choses, mais c'est vrai qu'il y a une déception, il y a une frustration par rapport au fait qu'il est passé à côté. Alors justement, on sait très bien que pour chacun d'entre nous, mais plus encore pour un athlète de haut niveau, la confiance en soi, c'est un élément déterminant pour oser y aller complètement. Vous pensez que cette confiance, vous qui le connaissez bien, elle est entamée, un peu ébranlée, ou finalement, c'est quelqu'un de tellement costaud, c'est quelqu'un de tellement pro et de préparé, entamé? Non, il a pas perdu confiance à ses moyens parce que ça, de nouveau, sa course, elle est parfaite. Il sait qu'il est en forme, qu'il est passé tout près. Donc là, après, c'est juste une histoire de circonstances aussi. Pour le géant ce soir, il faudra voir. Les conditions météo vont aussi évoluer. Donc il sait faire, avec l'expérience, il sait faire la part des choses entre ses éléments extérieurs aussi. Mais là, au niveau de ses propres compétences, c'est vrai qu'il a pas de doute. Il sait qu'il devra s'engager, mais comme 15 autres. Mais le fait qu'il soit arrivé comme dans la peau du favori à ces JO, ça l'a un peu desservi d'après vous ? Mais bien sûr, ça c'est clair que même si il a l'expérience, il a les années et tout, le fait d'être favori, ben, on a tout à perdre. Hein. On se présente dans le portier en départ déjà avec et la ça, médaille. Ça, il vous l'a dit ? Il ne me l'a pas dit, mais on le sait. Puis bon, on n'a pas besoin même d'en parler, c'est évident. Donc c'est clair qu'on se préparant dans le portier, il a tout à perdre. Tous les outsiders ont tout à gagner. Donc c'est vrai que c'est une pression supplémentaire énorme aux Jeux Olympiques et puis ça peut influencer un tout petit peu. Mais moi je pense par rapport à sa descente, de nouveau, c'est pas ça. C'est tellement serré, c'est une course tellement serrée. Il a eu une malchance, on va dire, avec le dossard 22. Peut-être 3-4 numéros en dessous, ça aurait encore donné quelque chose d'autre. Donc, il y a la déception, mais il ne faut pas remettre en cause son attitude ou sa manière de skier, pas du tout. Alors, avant de poursuivre, je vous propose qu'on écoute maintenant Mauro Pini, l'entraîneur des skieurs suisses, qui revient sur les chances de podium de Cuche et sur la blessure de Desfagos. Ben, malheureusement, on est en train de faire une descente réchauffement et il a pris une bosselette. Probablement, il n'était pas encore bien mis en place. Il a pris un contre-coup qui lui bloquait les muscles de le dos et impossible de continuer à skier. Il a dû rentrer au village, être soigné, il est déjà parti. Il passe la journée demain à Vancouver avant de prendre l'avion demain soir. Cuche et Janka, vous sentez qu'il y a un bon coup à jouer ? Ah, bien sûr, là on a les deux flèches qui, encore une fois, ne se cachent pas et on fait tout le possible pour aller sur le podium. Un des deux ou les deux, ça serait fantastique. Alors justement, est-ce que Didier Cuche peut repartir sans médaille ? J'espère pas. Alors Florian, à chaque fois que les Suisses se manquent un peu, il y a les mauvaises langues pour dire qu'on n'est pas très bon au grand rendez-vous, qu'on se crispe, qu'on n'est pas comme les Scandinaves ou les Américains. C'est un mauvais procès ? Ouais, bon, ma foi, les résultats disent un tout petit peu ça, mais on voit que dans d'autres disciplines comme Amman ou Colonia, ben, on voit qu'on arrive à faire face. Après, c'est vrai qu'on parle de Svindal, on parle de Miller, ils ont pas fait grand chose durant la saison, ils sont venus plus tard, ils étaient vraiment outsiders, ils n'avaient rien à perdre, ils ont tout tenté. C'est clair que ça faut aussi que les dossards étaient plus favorables pour eux au niveau des classements de départ. De hasard, donc,
Donc ça pouvait aussi les mettre dans des bonnes conditions. Ouais. Alors, on va poursuivre maintenant parce que l'autre grand rendez-vous de la soirée, ce sera sur la glace à 21h avec un match où la Suisse affrontera donc la Bélarus. À la clé, qualification pour les quarts de finale. Et si la Suisse perd ce soir, un homme quittera la scène, c'est Ralf Krüger, le coach des Suisses dont le contrat arrive à échéance. Et d'ailleurs, quelle que soit l'issue de ce tournoi olympique, il partira. Mais c'est un Ralf Krüger plutôt serein qu'a rencontré Christophe Cerf à la veille de ce match important. Ça fait 13 ans que Ralf Krüger dirige les joueurs helvétiques. 13 années plutôt fructueuses, puisque la Suisse s'est installée dans les 10 meilleures nations du monde. Mais l'heure n'est pas au bilan, pas encore. Nous ne sommes pas nerveux, on est simplement concentrés. Nous avons atteint notre objectif sur cette première semaine. L'important maintenant, c'est de garder confiance en nos moyens pour réussir une bonne performance le jour J. Son avenir est clair. Quel que soit le résultat au jeu, il cédera son poste à Sean Simpson. Le sélectionneur actuel ne s'en formalise pas. Cette situation lui permet même de travailler sereinement. Ces jeux se déroulent magnifiquement jusqu'à présent. Bien sûr, on aimerait encore s'améliorer, mais ce travail avec l'équipe m'a toujours plu. Pour nous, il faut juste que ça dure le plus longtemps possible. Un match, deux, peut-être trois, quatre, si la Suisse devait jouer la finale. Le décompte a commencé. À l'heure où seul le résultat contre le Bélarus compte, il faut gérer cette situation. Je mentirais si je disais que je ne songe pas à mon départ, mais ce n'est pas le principal pour le moment. J'y penserai après les Jeux et je me rappellerai volontiers de tous ces bons moments avec l'équipe de Suisse. Steve, le Bélarus, c'est solide, mais enfin, c'est quand même pas l'Everest du hockey sur glace. Non, c'est pas spécialement montagneux non plus, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est méfiance, parce que certes, le Bélarus, faut le dire très clairement, c'est une équipe à la portée de la Suisse entièrement. Pour l'heure, elle a fait le parcours qu'on attendait. Hein, deux défaites contre la Finlande, contre la Suède, logique. Et puis la victoire qu'il fallait obtenir, c'était face à l'Allemagne. Et puis sinon... concernant les confrontations entre Suisse et Biélorusse, 6 victoires pour la Suisse, 4 pour les Biélorusses. C'est dire que c'est vraiment, je dirais, très partagé. Reste que le Bélarus est une équipe qui ne cesse de progresser. L'an passé en Suisse, au championnat du monde, ils avaient tout de même battu la Finlande. Donc méfiance, le Bélarus, ça reste le meilleur atout. Avec son meilleur atout, Sergei Kostitsyn, rappelons-le, l'attaquant des Canadiens de Montréal. Mais on dit que la Suisse est meilleure quand elle défend que quand elle doit faire le jeu. Ce soir, on pourrait spéculer sur une défense solide et puis procéder par contre. Je ne sais pas. Toujours est-il que ce qui est clair, c'est que quand elle doit faire le jeu, ça reste beaucoup plus difficile. On l'a vu contre la Norvège. Par contre, contre le Canada, il fallait simplement un petit peu défendre et puis attendre. Et là, l'équipe suisse s'en est très bien sortie. Ça sera une des clés du match. Les Suisses devront absolument prendre leurs responsabilités, sinon les Biélorusses en profiteront. Ouais, pour faire un tout petit peu de fiction très rapidement, si on gagne ce soir, c'est les États-Unis en quart de finale. Oui, si on gagne. Moi, j'ai juste envie de dire que des autres, dans l'autre vestiaire, ils pensent la même chose. Ouais. C'est battre la Suisse et puis se retrouver contre les États-Unis. Ok, je retire ma question. Alors, prenons les matchs les uns après les autres. Ok, vous avez raison. Autant pour moi, mon optimisme m'a trahi. Au Canada, ils disent la même chose. Hein, mais avant de penser au quart de finale contre les Russes, il ferait mieux de penser au match contre l'Allemagne. Il faut gagner ce soir. Message reçu. Pas de médaille, donc. Merci, Steve. Pas de médaille hier et cette nuit pour les Suisses. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas jeter un coup d'œil au classement. Où vous allez le voir, on constate que l'Allemagne, même si elle a un total de médailles de 21, c'est-à-dire moins que les 25 des États-Unis, est devant, car elle a le même nombre de médailles d'or, mais une médaille d'argent de plus que les Américains. Suivent la Norvège et le Canada, puis la Suisse au 5e rang avec 7 médailles, 5 en or et 2 en bronze. On ouvre maintenant une page magazine avec un aspect plutôt sombre des Jeux. Whistler, peut-être ne le savez-vous pas, est une station très huppée, une station très très chère. Et lors de la saison d'hiver, les conditions de travail et de logement des travailleurs saisonniers qui viennent travailler dans l'hôtellerie, ces conditions sont vraiment très précaires. Alors, loin, très loin du glamour olympique, voici ce reportage d'un de nos envoyés spéciaux, Hubert Guécoutet. Whistler, la Mecque nord-américaine du ski. De novembre à mai, des conditions souvent exceptionnelles qui attirent nombre de jeunes, canadiens et étrangers, désireux de profiter de ce lieu magique. Mais une fois sur place, beaucoup de saisonniers se font surprendre par les conditions de travail et le coût de la vie. Jenny Citerlet, d'origine neuchâteloise, vit depuis une dizaine d'années à Whistler. Monitrice de ski, elle est maintenant guide au sein d'une compagnie d'héliski. Elle connaît bien le fonctionnement de la station. Les gens qui viennent à Whistler pour passer la saison, en général, viennent pour le ski en premier. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines difficultés qu'ils rencontrent quand ils viennent ici, particulièrement les loyers qui sont très élevés.
Salaire minime, loyer élevé, Fairlie Birmingham, d'origine australienne, tout juste 19 ans, s'est trouvé confronté à cette dure réalité dès son arrivée dans la station en novembre dernier. Je travaille de longues heures, entre 12 et 15 heures par jour. J'ai deux jobs. J'essaye de faire de l'argent pour pouvoir survivre à Whistler. C'est très cher. La nourriture, par exemple, même dans les épiceries pour les courses de base, les prix sont élevés. Et manger dehors, c'est hors de prix aussi. Tout est vite très cher. Beaucoup d'argent dépensé au quotidien, mais le gros problème reste le logement. Souvent difficile à dénicher, mais surtout très cher, même en dehors de la station, ce qui est le cas pour Fairlie. Je vis avec 6 autres personnes dans un appartement avec 2 chambres. On est vraiment beaucoup. On paye 3 600 $ par mois et donc 660 $ par personne en partageant entre nous 6. Quasiment pas d'économie donc, et en plus, Fairlie ne profite ni du ski, ni des jeux. Je n'ai absolument rien vu des jeux. Je ne fais que travailler. Puis je rentre vite à la maison parce que je sais ce qui m'attend le lendemain. Je n'ai pas du tout profité des Jeux olympiques jusqu'ici. Pas certain du coup que Fairlie envisage de revenir l'année prochaine, ce qui ne surprend absolument pas Jenny, très au fait des réalités des saisonniers. Je pense qu'au bout de quelques saisons, certains sont déçus, d'autres arrivent finalement à trouver des moyens, à gagner un peu plus d'argent. Plus on a d'expérience, quand même, le salaire augmente. Mais c'est vrai que c'est une ville transit et il y a beaucoup de gens, au bout de 2-3 ans, qui se rendent compte que ce n'est pas possible ici et c'est très difficile de construire une carrière. Mais il en est ainsi des pratiques nord-américaines en matière d'emploi dans les stations de ski. Pour les plus chanceux, on y passe, on y travaille, beaucoup. On s'y fait plaisir, un peu. Mais souvent, il faudra repartir sans économie, avec seulement de belles images souvenirs. On reste dans les coulisses avec Aurélie et Florent, un couple de Français arrivés à Vancouver. Tenez-vous bien, après avoir parcouru la bagatelle de 15 000 km à vélo à travers 16 pays et ce pendant 15 mois. Aurélie et Florent ont donc posé leur vélo provisoirement à Vancouver, il fallait bien qu'ils soufflent. Et là, presque par hasard, ils se sont fait embaucher pour travailler pendant les JO. Reportage plus souriant de Véronique Wicht, Reynald Bussien et Christophe Cerf. On n'avait déjà pas du tout prévu de s'arrêter tout court, encore moins de s'arrêter à Vancouver. Et même une fois qu'on s'est dit qu'on allait faire une pause à Vancouver pour passer l'hiver, par surprise, on a appris qu'il y avait les Jeux Olympiques. Et bon, bah c'est une bonne chose au final. On est content d'être là. Nous avons été tout simplement dans une agence d'intérim. Et en regardant notre CV, on se dit peut-être que vous avez un profil pour travailler pour les Jeux Olympiques. Et avec pas mal de plaisir, on est là à accueillir le public dans le bâtiment des médias. Pour Aurélie et Florent, Vancouver ne constitue qu'une étape dans un périple à vélo, surtout en bateau parfois. Une balade débutée en septembre 2008. On est tous les deux des amoureux de la montagne. Donc l'idée, c'est vraiment découvrir les montagnes du monde. On parle de réchauffement climatique, donc on a dit on va faire un voyage un peu plus engagé, on va aller à l'autre bout du monde, on ne va jamais prendre l'avion. Depuis un an et demi, on dort presque tous les soirs sous la tente. C'est vrai, il y a des jours où c'est dur, mais le plaisir des rencontres, le plaisir de rencontrer des nouvelles cultures, de nouveaux gens, de nouveaux paysages, nous donne toujours l'énergie d'aller un peu plus loin et d'aller au bout de nos rêves. Au Canada, ils logent en appartement, une exception depuis leur départ. Un confort qu'ils apprécient, sans pour autant oublier leur quotidien sur la route. Mine de rien, on est ensemble 24 heures sur 24 depuis plus d'un an et demi. Parfois, c'est un challenge. Parfois, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant parce que l'un l'autre, on arrive à céder. Quand il y en a qui a une baisse de morale, on peut repartir. L'autre peut nous supporter. Il n'y a pas de regret. Après, il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça va mieux. Mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi à vivre et puis à avoir une vie plus simple. Ça y est, j'ai trouvé les cartes, la carte générale qu'on avait avec le carré d'Amérique latine.
Ils reprendront bientôt la route, direction l'Alaska, les Rocheuses américaines, l'Amérique centrale et les Andes, pour atteindre le sud de l'Argentine. Les Jeux olympiques ne constitueront alors qu'un souvenir parmi d'autres. C'est étrange parce qu'à la fois on attendait ces Jeux, on a eu une préparation, des entraînements pour tous les gens qui travaillaient, donc on attendait ça et puis ça dure que 15 jours en fait, donc ça a à peine commencé que bah ça y est, c'est presque fini. Donc d'un côté on a un peu envie que ça continue. Et c'est vrai que d'un autre côté il y a le soleil qui arrive et pour nous ça veut dire bientôt reprendre les vélos et continuer. Voilà, encore quelques milliers de kilomètres à pédaler. Ils pourront être aux Jeux de Londres dans 2 ans et à ceux de Sochi dans 4. Et dans l'immédiat, je vous donne les principaux rendez-vous du programme olympique du jour sur TSR2. À 18h05, on va le voir tout de suite en curling chez les dames Suisse-Allemagne. Puis à 18h30, on basculera bien sûr sur le slalom géant en direct. À 21h, le match de hockey entre la Suisse et Bélarus, direct également. À 22h, deuxième manche du géant avant de retourner sur le hockey sur glace. Et puis à 23h30, en curling messieurs Suisse-France pour une place en demi-finale. Bref, une soirée particulièrement dense. Je vous rappelle aussi qu'on rediffuse le matin sur TSR2 les principaux moments olympiques et puis que sur notre site tsrsport.ch, vous pouvez voir et revoir tous les moments forts. Messieurs, petite question à vous, Florian, vous êtes dans quel état d'esprit avant le géant de ce soir? Ouais, quand même pas mal tendu, mais confiance dans le fait que Didier va tout donner, il va aller en guerrier, donner le maximum. Ça va le faire. Ouais. Et puis vous, Steve? Dans quel état? Ouais. Moi j'espère juste une victoire, mais de toute façon ça dépend pas de moi. Bon, bah écoutez, voilà, en tout cas on se tient vraiment les pouces pour Didier, puis pour Yanka et pour d'autres. Mais enfin, on espère vraiment que ce soir ce sera une belle fête. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire donc sur l'actualité de ces Jeux cette mi-journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, avec Alain Cobel et en régie Léo Bagnou. Je vous souhaite une très très belle après-midi, et puis un très bel après-midi. Et puis on se retrouve demain. Au revoir, merci.